Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de gâteau. C'est un gâteau en fait à la base. La façon de faire, c'est un gâteau turc. Ça s'appelle ıslak cake. Ça veut dire gâteau trempé. C'est un gâteau très très apprécié chez les Turcs. Mais moi j'ai voulu le faire en version dans un moule à gâteau et c'est franchement j'ai eu un résultat excellent, un gâteau bien imbibé du début à la fin. Comme vous le voyez, il est super bien trempé, fort en chocolat, c'est vraiment un pur délice. Je vous conseille fortement de tester cette recette, c'est un régal. Tout le monde apprécie en général ce genre de gâteau. Donc, si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Tout d'abord, j'ai voulu vous montrer comment je prépare mon moule, car vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour pas que mon gâteau accroche en fait. L'astuce, c'est qu'il faut utiliser du beurre mou. Donc, vous pouvez très bien passer 10 secondes votre beurre au micro-ondes. Il ne faut pas qu'il soit fondu, mais mou, comme vous le voyez. Donc, il faut qu'il soit possible de l'étaler au pinceau, comme ceci. Et là, au pinceau, bien en détail, on badigeonne de beurre toute la surface, tout l'intérieur du moule. Surtout si c'est un moule à rayures comme le mien. Donc bien veiller à ce qu'il y ait du beurre partout. Et ensuite, on va parsemer avec à peu près une cuillère à café de farine. On va secouer le moule pour faire imprégner la farine partout. Et après, on enlève l'excédent de farine. Et notre moule est prêt. Voilà, vous pouvez faire cette astuce pour tous les moules, peu importe la marque. Donc, vous aurez un résultat, un gâteau qui n'accroche pas. Bon, donc pour les ingrédients pour le gâteau, il nous faut 4 œufs, un grand verre de sucre, un verre de 200 ml de yaourt nature, deux verres qui mesurent 200 ml aussi de farine. Mais j'ai laissé à peu près l'équivalent d'un doigt de 2 cm en fait de vide. Donc comme vous voyez, mes verres de farine ne sont pas remplis jusqu'au bord. Ensuite, j'ai 3 cuillères à café de cacao amer, du sucre vanillé et un sachet de levure. Et un verre d'huile aussi, 200 ml aussi. Voilà, donc on va commencer par faire notre gâteau comme pour chaque gâteau, en fait, il faut d'abord mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez mousseuse. On mixe les œufs, le sucre et le sucre vanillé ensemble. Donc là, je vous ai filmé toutes les étapes, en fait. Voilà. Vous voyez, la couleur commence à s'éclaircir. On commence à avoir la texture qu'on veut. Je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos. Donc vous pourrez regarder là-bas aussi. Voilà, il faut obtenir cette texture. Et là, je rajoute l'huile et le yaourt nature. J'ai remixé légèrement, même pas 10 secondes. Ensuite, je rajoute ma farine, ma levure. Et mon cacao. Alors moi, mon cacao, il est de couleur foncée, car je l'ai ramené de Turquie. Donc, ils ont la particularité de vendre du cacao entre guillemets qui s'appelle dark, donc du cacao qui est presque noir. Donc, mais je me suis renseignée, il y en a aussi sur Internet, sur Amazon ou sur les sites de pâtisserie. Donc, vous pouvez aussi en trouver. Il est plus intense au niveau du goût et au niveau de la couleur aussi. Mais bon, vous pouvez très bien utiliser du cacao normal, hein. Mais je tiens juste à préciser cela, car je pense que bon nombre d'entre vous remarqueront la différence de couleur, surtout après la cuisson. Notre gâteau, il est beaucoup plus foncé. Voilà la texture qu'on doit avoir. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Donc là, je verse ma préparation dans mon moule que j'avais préparé à l'avance. Il faut toujours préparer votre moule avant de faire votre pâte. Car il ne faut pas que la levure ait le temps de perdre son efficacité. Toujours préparer le moule avant de commencer à faire votre gâteau.
J'espère que c'est une recette que vous apprécierez. J'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. Donc j'enfourne mon gâteau dans mon four préchauffé à 160 degrés. Je le mets sur la grille en dessous du milieu. Pendant que mon gâteau cuit, je vais préparer la sauce. Pour cela, j'utilise 2 verres de 200 ml, c'est-à-dire au total 400 ml de lait. Une petite tasse à café comme ceci de sucre, d'huile et ensuite 2 cuillères à soupe de cacao. Voilà, je laisse chauffer ça sur feu doux, pas besoin de porter à ébullition, juste le fait que le cacao et le sucre fondent, c'est suffisant. Donc là voilà, une fois que c'est chaud, pas forcément bouillant, je rajoute 100 g de chocolat. Alors moi, pour ma part, j'ai utilisé 50 g de chocolat noir et 50 g de chocolat au lait. J'ai mis mes chocolats à l'intérieur et j'ai attendu 1 à 2 minutes. Et vu que mon liquide était déjà chaud, ben le chocolat a fondu rapidement. Voilà, ma sauce chocolat aussi est prête. Donc le temps que mon gâteau est cuit, ben, il sera à température ambiante, légèrement tiède, et c'est suffisant. Voilà, c'est assez liquide, mais c'est suffisant pour absorber tout le gâteau. Moi, mon gâteau, il a cuit au bout de 50 minutes, mais tout dépend de votre four. Bien vérifier la cuisson à l'aide d'un pic ou d'un cure-dent ou la lame d'un couteau, peu importe. Si ça ressort sec, ça veut dire que votre gâteau est cuit, donc vous pouvez sortir votre gâteau du four. Alors moi, en temps normal, j'ai l'habitude de démouler mon gâteau chaud, mais vu que là, on doit mettre la sauce sur notre gâteau qui est encore chaud, avant de mettre la sauce, pour être sûr que votre gâteau est décollé du moule, secouez-le comme j'ai fait juste avant, pour bien voir qu'il est décollé du gâteau, mais on ne l'enlève pas en fait, on le laisse dans son moule. Et là, à l'aide d'un pic, je fais des pics partout sur mon gâteau pour que toute la surface absorbe la sauce. Voilà, j'ai bien piqué mon gâteau et là, je peux verser ma sauce qui est tiède sur mon gâteau qui est encore très chaud. Il est sorti du four, ça fait même pas 10 minutes. Voilà. Donc bien le verser sur le gâteau chaud. La sauce, elle est tiède et le gâteau, il est chaud. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai même pas accéléré au montage. Vous voyez à quelle vitesse ça absorbe tout de suite le liquide, la sauce. Vraiment, l'effet éponge, il est là. Ça absorbe tout de suite, en fait. Voilà. Et ensuite, on le laisse reposer au moins 1 heure. De toute façon, vous allez le voir sur la surface qu'il est absorbé totalement. Voilà, au bout d'une heure, moi je l'ai démoulé. Mais bon, plus vous attendez, plus ça sera meilleur. Moi, comme je filmais, j'ai voulu profiter de la lumière du jour. Donc, j'étais un petit peu pressée. Donc, au bout d'une heure, j'ai retourné mon gâteau. Voilà. Et je vous ai filmé en direct le démoulage pour vous montrer que ça n'accroche pas. Moi, j'ai juste une toute petite partie qui a accroché et ça, c'est de ma faute. J'ai cassé quand j'ai piqué avec le cure-dent, en fait, quand j'ai fait mes pics. J'ai trop appuyé sur le bord, donc c'est de ma faute. Sinon, ça n'avait pas collé au moule. Voilà, comme vous le voyez. J'ai même réussi à rattraper le morceau qui est resté sur le moule. Donc voilà. Là, je vais faire fondre du Nutella au micro-ondes. Une cuillère à soupe, une cuillère à café, peu importe. Je le mets dans un sachet jetable. Je coupe le bout avec un ciseau. Et je fais des rayures sur mon gâteau. Et je trouve que ça apporte un petit plus, autant au niveau du visuel, autant au niveau du goût. Ça fait un gâteau tout chocolat en fait. Et voilà, notre gâteau, il est presque prêt à la dégustation. Vous pouvez très bien le servir avec
une bonne chantilly à côté. Avec un bon café, ça sera idéal, parfait pour le goûter. Là, on peut passer à la découpe. Vous voyez comment il est moelleux. Je pense que ça se remarque quand même. Moelleux et bien imbibé comme il se doit. Donc, si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter un gâteau qui est imbibé comme ça, franchement, je vous conseille fortement de le tester. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment un pur délice. Et honnêtement, c'est très difficile de trouver une recette de gâteau qui est imbibé de cette façon. Car vous trouverez beaucoup de recettes de gâteaux imbibés, mais le gâteau il sera imbibé que dans le fond en fait. Le dessus il sera tout sec et franchement c'est pas très bon. Alors que là, comme vous le voyez, toute la surface elle est imbibée. Là, je vais vous remontrer de plus près. Vraiment délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'aimerais vraiment savoir votre avis concernant cette recette. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à bientôt pour une très prochaine recette. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye bye!